Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un courrier, donc pour le concours, de la part de Myriam. Donc on va découvrir ça ensemble. Je ne suis pas censée avoir des ouvertures faciles normalement pour ces trucs. Encore les histoires d'ouverture facile, pas facile. Oh là là. Donc, oh là là, magnifique. Alors, elle m'a fait une memory dex. Savourer le moment présent. Elle est trop belle. Alors, excusez-moi. Alors, elle aime toutes les couleurs sauf le vert. Elle aime le chabis, les fées, les fleurs et les papillons. D'accord. Elle est superbe. Est-ce qu'on la voit bien? J'espère que le plastique ne se reflète pas. Donc, on a une petite découpe ici. On a des demi-perles là. Plus petites ici. Alors, je ne sais pas si c'est des demi-perles. Je pense que tu les as faites toi-même. Parce que. Ouais, je pense que c'est fait. Elle a fait elle-même, je pense, les demi-perles. On a une très belle fleur ici et la dentelle juste en dessous. Elle est superbe, jolie cette Memory Dex. Moi, je suis pas douée pour faire ni les cartes ni les Memory Dex à chaque fois. À chaque fois, je lance, à chaque fois, je fais un truc, puis après, je me dis non, c'est moche. Non, c'est moche. Et les vôtres, elles sont superbes jolies. Faut vraiment que je m'y mette sérieusement pour les faire parce qu'en plus, je dois en envoyer plein là. Alors, on a plein plein de découpes de feuillage. Regardez-moi cette fleur là, elle est super jolie. Alors, je vais vous montrer. Ça, par là. Merci. En plus, c'est tout un ensemble, hein. Regardez ça. Alors. Ah, c'est super, franchement, merci les filles hein, de m'envoyer des tamponnages et des coupes et tout là, parce que franchement, déjà, moi, j'en ai pas d'avance. Donc là, ça m'aide et j'ai plein de trucs que j'ai pas. Alors vraiment, c'est vraiment top, mais vraiment, merci beaucoup. Hein. Elle est superbe, jolie. Hop, elle est différente. Tout en blanc, ça fait tout en douceur, c'est vraiment génial. J'espère que je suis dans le champ. J'espère qu'il y a du son parce que j'ai fait une vidéo juste avant, il n'y avait pas de son. Je sais pas pourquoi j'ai dû toucher au micro et le son est parti. Donc on a plein plein de feuillages comme ça. Il y en a qui sont. Regardez-moi celle-là, comment elle est fine. Regardez. Superbe. Franchement, merci. On a plein de différents. Et les feuillages, c'est vraiment très très utile. Tout ce qui est feuillage et fleurs, là, ça décore énormément. On s'en sert pour tout. Et en blanc comme ça, c'est encore mieux. Il y en a beaucoup, hein? Merci. On a aussi des feuillages dans ce style. J'essaye de vous montrer de tout, mais en fait, il y en a tellement que en fait, c'est très varié. Regardez-moi celle-là, elle est super belle. Donc, j'essaye de. Attendez, ça va être plus simple comme ça. Un trèfle à quatre feuilles. C'est génial. En plus, comme tout est en blanc, je peux coloriser si j'ai envie d'ajouter de la couleur. C'est vraiment top. Merci, hein. Vraiment merci. Donc là. Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai réussi à tout vous montrer? Non, il y a aussi celle-ci. Et je crois que cette fois, je vous ai tout montré. Peut-être. En fait, il y en a tellement que c'est toujours là. À sauter et oui cette fois c'est bon j'ai réussi à tout vous montrer
J'espère. Donc, merci vraiment pour toutes ces découpes de feuillage. C'est vraiment génial. Ça, on en utilise tout le temps en scrap. Donc, vraiment, c'est top. Ah, il me manque celle-ci. Je crois pas l'avoir vue. Hop, regardez-moi ça. J'arrive pas à la tête. En fait, elle est assez longue. Trop jolie. Donc voilà pour les découpes de feuillage. Alors, ici on a une superbe ATC, je garde la carte pour F1. Donc ça vaut le moment plaisir avec des petites demi-perles. Ouais, donc c'est bien toi qui les as fait là. Cette fois on voit bien que c'est fait maison. Enfin moi je le vois, vous je ne sais pas. Attendez, je l'ouvre pour essayer de vous montrer. Sans le reflet du sac. Donc c'est savourer le moment présent 1 sur 1 et elle a été faite le 9 juin 2021. Donc regardez. Vous voyez, on voit que c'est bien fait par main. Ce ne sont pas des demi-perles parfaitement bien rondes, etc. Donc c'est vraiment elle qui les a faites. Ça c'est bien, il faudrait que j'achète les nouez-vous pour ça. Moi à chaque fois je me dis je vais les prendre et puis... Après je les prends pas, alors que si hein, mettre des petits dots comme ça, c'est trop joli je trouve, des énamés de dots comme ça. Donc là on retrouve la dentelle, ce superbe papier d'ailleurs, papier violet, il est super beau, une fleur en blanc et le feuillage, super joli, tout en douceur, tout en simplicité. En fait, c'est ça qui est bien, c'est la simplicité. Moi, je fais toujours compliqué à chaque fois. Je vais ajouter des trucs en me disant, tiens, il faut que je mette ça, ça, ça. Et puis après, ça fait un gros mélange de n'importe quoi. je finis toujours par laisser tomber. Et je ne devrais pas. Et je devrais en faire aussi des ATC et des Ribex là, pour que je puisse vous en envoyer aussi. Donc là, je pense que ça va être le prochain projet d'essayer de faire... plein de memory text et de ATC. Alors regardez-moi cette carte, elle est trop belle. Regardez-moi cette découpe de dentelle là. Donc toujours savourer le moment présent avec ces petites enamel dots, la fleur, magnifique. Je les ai vus ce matin à Bobigny, j'ai pas pris. Finalement, je crois que je vais les prendre. Parce que maintenant que je les vois tout le temps dans vos créas, là, je me dis que je devrais les prendre aussi parce qu'elles sont trop belles sur les créas. C'est vrai que quand je les vois dans le paquet, à chaque fois, je me dis non, je vais pas les utiliser. Mais maintenant que je les vois dans vos créas, je me dis non, laisse-moi, il faut que je me laisse tenter avant que je n'en trouve plus. Donc on retrouve la dentelle, le papier violet, il est beau ce papier. Est-ce que c'est du Action aussi? Je sais pas, je le reconnais pas. Le papillon de fond aussi, gris, je ne le reconnais pas. Et donc, je vais lire la carte. Excusez-moi. Désolée pour le bruit du plastique. Oui, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup Myriam, vraiment, j'adore. Moi je vais bien, j'espère que tu vas bien aussi. Hein. J'espère que vous allez toutes bien d'ailleurs, avec cette chaleur. Aujourd'hui, on a atteint 30 degrés. Bon, heureusement, il fait frais chez moi, mais là, quand je suis sortie, c'était une horreur, surtout les transports. Mon Dieu, j'ai l'impression que les gens, pendant les transports, c'est là où ils ont plus de... Quand il fait chaud comme ça, ils prennent les transports, ils n'ont plus de savoir-vivre. Surtout, c'est les gens qui prennent les transports pour une station. Non mais marchez, c'est pas possible, une station, arrêtez de vous engouffrer comme ça de force dans les transports. Et avec le masque là, on a du mal, hein. Donc j'espère que vous allez vraiment tous bien, que vous arrivez facilement... excusez-moi, je surveille le chat. Elle s'amuse à rentrer dans le placard ces derniers temps, là, je sais pas pourquoi. Donc vraiment, elle est trop belle cette carte. En plus, ça fait un ensemble, c'est superbe, vraiment merci, c'est adorable, j'adore. Merci à toutes de participer à mon concours, ça me fait hyper plaisir. Là, je vais commencer à préparer des envois pour vous. Et vraiment, merci. Je vais faire la... ouais, je vais enchaîner avec... non, je ne vais pas enchaîner sur la vidéo. Je veux que tout le monde ait sa petite vidéo personnelle. Donc, merci. Vraiment, merci.
Je vais faire la vidéo pour le lot du concours et vous montrer tout ce qu'il y a à gagner en fait. C'est bien de participer, mais si vous ne savez pas pourquoi, parce qu'à force de faire des vidéos haul, je crois que même moi je m'y perds dans ce que je suis censée mettre dans le haul. Dans le lot, pardon, du concours. Donc vraiment, merci. Vous avez encore le temps de participer au concours. Je vais le décaler au 1er juillet pour que, parce que plusieurs personnes m'ont dit qu'elles n'avaient pas le temps là de faire tout de suite. Donc je vais décaler au 1er juillet, pour fin juillet, et puis je ferai donc le tirage au sort au mois d'août. Et si vous n'êtes pas présente au mois d'août, de toute façon j'ai votre adresse et tout, et je peux envoyer le lot. Le lot plus tard, hein, quand vous serez rentré de vacances, c'est pas un souci. Donc je te remercie beaucoup Myriam, merci à toutes de participer à mon concours. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.